Bonjour, nous sommes les... Alors, je vais sans plus tarder vous présenter mes collègues de... Et aussi de... Parce que donc, nous sommes... Et le week-end, généralement, on fait la mission. Alors, ici, à la Martine Marouille, qui fait plutôt... qui fait la meilleure... Je vais quand même l'appeler comme ça. Alors, Martine travaille aux archives. Et voilà, dans une petite cave, hein, toute noire, toute fermée. Je pense que vous faites du bois. Il y a un type de Martine, ça se voit à votre nom. Devant ma gauche, Jeanne Dubois, qui est celle que j'appelle l'intellectuelle du groupe parce que c'est elle qui s'occupe de tout ce qui est. On peut, la liste n'est pas exhaustive. Et Anne Dubois fait de la... Voilà, donc Anne Dubois. Nous avons ici Gilbert, qui est mon... qui fait d'habitude de l'harmonie municipale, mais là, avec nous, il fait de la... Donc voilà, Gilbert, très très contente qu'il soit une âme un petit peu masculine dans ce groupe. Et moi, c'est Jacqueline Bonjon, je suis... Et je suis toujours très très fidèle à mon patron. Vous avez une question? En fait, la rencontre s'est passée il y a 10 ans. On est... La rencontre s'est passée il y a 10 ans, on était dans un stage de l'expression corporelle et puis on a dansé, on s'est senti et on s'est dit on va faire quelque chose, une petite surprise pour le départ à la retraite d'un de mes collègues qui est parti. Et voilà, donc comme je disais, si vous parlez pas, évidemment, moi je remplis l'espace. Voilà, nous faisons aussi ce qui nous prend beaucoup, qui commence à nous prendre de plus en plus. Ou même parfois. Des fois, ça peut nous arriver. Ça peut nous arriver de n'importe quel. Prison, hôpital, n'importe quoi. Vous avez dit? Ah.
C'est vrai qu'il y a un côté animal aussi dans le fait de voir les gens qui sont en bas complètement. Alors des fois, ils arrivent qu'en plus, ils soient un peu... Donc ça nous arrive souvent. Alors c'est vrai que ça fait une distance entre nous qui sommes assez bien propres sur nous et puis les gens qui sont en bas en train d'être furieux. Et c'est toujours assez troublant parce que ça me touche dans mon ego, hein, on va dire, peut-être particulièrement, parce que j'ai toujours un ego développé. Rêver d'être une... Luana, Madonna, tatati, tatata. J'ai toujours rêvé de ça. Alors, des fois, je me retrouve dans cette situation et ça me perturbe énormément. Bien de voir des gens à ses pieds aussi. Oui, ça c'est vrai. Il y a un côté un peu fantasmagorique. Oui, ça me dit, tiens, on est dessus, hein, on se voit un peu au-dessus des... Mais ça ne me change pas vraiment parce qu'à la tête, il y a des grandes énormes bleues qui sont souvent là. Vous voyez les gens de haut. Mais sans non plus avoir une part de supériorité, parce que c'est pas du tout le cas. Parce que c'est vrai qu'on a un statut on est des spidoles, et quelque part. Mais voilà, c'est toutes les petites joies du quotidien. Anne, ça vous fait ça aussi? Les hyperactives? Oui. Non. Alors, voilà, on est des surfemmes, qu'est-ce que vous voulez faire? Les femmes, je sais pas si on est autoritaire ou je sais pas quoi. Non, je pense que vous avez pas de mari, donc je ne vous pose pas la question. Enfin, moi je crois que ce qui est important chez nous, c'est de prendre son plaisir, de trouver le plaisir là où il est. Parce que le bonheur, bon, il faut pas le chercher. J'ai remarqué qu'il fallait pas le chercher, le bonheur, quand même. Il faut pas le perdre de vue non plus. Mais il faut pas l'attendre, parce que sinon on ne vient jamais. Il faut pas le chercher bien loin non plus. Mais voilà, il est là. Regardez, il est là. Juste dit que le bonheur, c'est du chagrin qui se repose, quand même. Donc il faut quand même pas le perdre. Le chagrin qui se repose. Oui, c'est... Vous avez quelque chose à rajouter? Non. Vous m'aurez étonné. Thank you.